Salut de Céline et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous sommes avec la salle pour faire un tu préfères. Il y a quelques jours je vous ai demandé de me proposer des tu préfères dans les commentaires. J'en ai choisi pas mal, il y en a vraiment des hard. Il y a des trucs je lisais des fois, c'était choquant. Il y a des trucs je pouvais même pas les mettre avec YouTube et tout, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que t'es prêt à affronter ce tu préfères la salle? En tout cas si vous voulez qu'on refasse un épisode 2, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et à aussi à proposer un tu préfères pour le prochain épisode. Si vous kiffez, voilà, vous mettez un petit like, un petit pouce bleu, vous abonnez, vous activez la cloche, voilà, active ta cloche, n'hésite pas à activer la cloche, à me suivre sur Instagram. Et la salle, est-ce que t'es ready? Est-ce que t'es ready to go? Est-ce que t'es ready to go? Ready. Ready. Vraiment ready. Ready. Là, c'est t'es chaud, là. Là, tout de suite. Là, ouais, vas-y, bah, tu sais quoi, je prends ma caméra. Après, je la mets ici parce que quand même, il vous faut un petit peu de délai. Le premier, la salle, tu préfères tuer tes parents ou tuer ta copine? Je t'ai dit c'était hard, hein. Je te le dis c'est hard. Et si je choisis aucun, c'est, il m'arrive quoi? Il se passe quoi? T'es obligé de choisir un, c'est le principe du jeu. Mais c'est quoi la contrepartie? Bah t'as un gage que je choisis. Bon bah je tue ma copine, comme ça après. Pourquoi? Bah en fait, non, c'est en vrai gros... que c'est comme c'est tes parents comme c'est ceux qui t'ont mis au monde. Et moi perso, bah je préfère tuer ma copine. Mais même si c'est ta femme, tu peux pas tuer tes parents, t'es fou. C'est ceux qui t'ont mis au monde, c'est chaud quand même, non? Tu préfères la salle mourir dans un volcan ou tu préfères te faire poignarder par ta mère? Mourir dans un volcan. Tu préfères mourir dans un volcan? Bah ouais. Là, c'est chaud quand même mourir dans un volcan, tu sais, c'est la chaleur, tu souffres, hein. Ouais, bah t'imagines la déception de ta mère qui te poignarde. Ouais c'est vrai que c'est chaud aussi. C'est vrai que c'est chaud aussi. Alors moi personnellement c'est vrai que mourir dans un volcan c'est assez compliqué. Mais en fait je vois pas ma mère me poignarder, tu vois. Donc c'est un peu, bah je pense que tout le monde ne voit pas sa mère, voilà quoi. Mais ouais c'est vrai que c'est chaud quand même. Donc si j'avais un choix à faire, ce serait je préfère quand même mourir dans un volcan. Parce que voir ma mère qui m'a mis au monde, c'est chaud quand même. Du coup, comme tu sais, on est en confinement et tout. Donc, est-ce que tu préfères être confiné avec 10 inconnus ou tu préfères être confiné avec 10 ennemis à toi? Des gens que t'apprécies pas, quoi, on va dire. Bah, 10 inconnus, logique. Et mais imagine, c'est des gens que tu connais pas et tout. Mais je veux dire, c'est des gens bizarres. On sait jamais, tu vois. Ouais, mais tes ennemis, c'est sûr qu'ils sont bizarres. Enfin, après, ça dépend. Ouais mais c'est quoi? C'est les mêmes lois qui s'appliquent pendant le confinement? Ah bah oui, t'as pas le droit de sortir et tout, t'es confiné mais à vie hein. À vie hein, je répète, c'est à vie hein. Ah à vie, ok, à vie. Avec tes non ennemis. Bah vaut mieux des inconnus parce que mes ennemis je serais obligé de les... Ah ouais, chaud. Ah bah ça se transformera en film d'horreur hein, donc vaut mieux des inconnus. Ok. C'est mieux. Eh bah écoute, moi je préfère mes inconnus parce que pareil, les ennemis c'est chaud quoi. Tu préfères qu'on te pisse dessus ou qu'on te fasse caca dessus? Je te dis, c'est hard, hein. Les gens sont hard. Je préfère aucun des deux, mais à choisir, je dirais pisser. Ah ouais? Ah non, moi non. Ah bah ouais. Ah non. Moi j'ai un problème avec les odeurs, c'est-à-dire que... Non. Je préfère qu'on fasse caca dessus, tu vois. Tu vois, alors que pisser c'est plus long, alors que caca c'est moins long. Le mec veut se faire chier dessus, quoi, c'est beau. Alors, tu préfères voir ta mère mourir ou que ta mère te voit mourir? Oh, qu'elle me voit mourir. Tu penses? C'est hard. Ouais. Les deux cas, c'est hard. Ouais, mais je préfère ne plus être là pour avoir à supporter le truc. Donc, tu préfères qu'elle te voit mourir? Enfin, que tu la... Ouais. Ah non, quand même, c'est chaud. Dans les deux cas, c'est chaud. Donc, je préfère... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est compliqué, mais je peux pas dire. Donc, moi, je dirais... Si j'avais un choix, bah si j'avais un choix, oui, parce que sinon, je vais avoir un gage. Je préfère quand même voir mourir ma mère qu'elle me voit mourir. Bah ouais, chacun son truc, hein. Tu préfères twerker devant tes parents ou te prendre un râteau par ta meuf devant tes potes? Râteau. Ah, c'est vrai que c'est chaud, les gars. Oh, quand même un minimum de respect, quoi. Je veux dire, je sais pas s'il y en a qui auraient choisi twerker devant ses parents, mais ouais, c'est chaud. Râteau. Râteau, c'est bien. Râteau, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Tu préfères avoir une meuf ou avoir zéro meuf toute ta vie? Donc, en gros, est-ce que tu préfères avoir une meuf, mais pour la vie, ou pas avoir de meuf du tout? Bah oui, une meuf normale, quoi. Enfin. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous mettre dans les commentaires et tout. Quand même, ouais, pas avoir de meuf, c'est chaud, quoi, être seul et tout. Enfin, ouais, je préfère avoir une meuf que pas de meuf, quoi. Tu préfères. Celle-là, elle est pas mal. Tu préfères t'évanouir quand tu réponds à une question ou te prendre une claque à chaque réponse? Donc, en gros, si tu réponds à une question, tu prends une claque. Donc, quand tu poses une question à quelqu'un, tu t'évanouis.
C'est chaud. Attends. À chaque réponse qu'on me donne, je me prends une claque. Voilà. C'est ça? Non, je me prends une claque. Bah, ça dépend de qui après. Mais comme ça, moi. Ouais, mais ça, je m'en fous. Je répondrai jamais à des questions. Donc, une claque. Bah, écoute, personnellement, je préfère me prendre une claque aussi. Parce que, comme s'évanouir tout le temps, c'est chaud. Et des questions, t'en poses assez souvent, je pense, dans la vie. Donc, ouais. T'imagines, t'es en cours, le tu poses prof une question. Pose une question, tu dis, je vous réponds pas. Je vous réponds pas, monsieur. Je ne vous réponds je vous pas. Réponds pas. C'est pas vous qui vous prenez des claques. Enfin, dites, monsieur, ça va aller, oui, malade. Tu préfères lécher les pieds de moquer ou lécher les aisselles de l'alien? Oh, là, c'est chaud. Alors, moi, si j'avais un choix à faire... Direct. Ouais, les aisselles aussi, parce que quand même... En moins, les aisselles, tu vois, des fois, elles peuvent puer, elles peuvent être sales, mais c'est des aisselles. Alors que les pieds de moquer, on sait qu'ils sont sales tout le temps. On sait qu'ils puent. Mais le problème avec les pieds de moquer, c'est que... Ils sont gros aussi. Je les vois, je m'évanouis, donc je peux pas les lécher. C'est ça, c'est ça. J'ai juste à les voir pour m'évanouir, donc je peux pas, donc je suis obligé de lécher les aisselles. Tu préfères te sauver toi ou sauver ta famille? Ah bah ma famille directe, hein. C'est-à-dire que là, hop, imagine c'est la fin du monde et tout, t'es là, y a toi ou y a ta famille, t'as un choix à faire, tu fais quoi? Ma famille directe. Tu préfères sacrifier ta vie, ouais, pour ta famille? Bah ouais, ouais. Bah, je pense qu'on est un peu tous pareils. Genre, je préfère mourir que y ait, je sais pas, par exemple, je sais pas, on est combien dans ma famille, mais qu'il y ait des dizaines de milliers de. Et que je sois seul, parce qu'après, je serais seul et je serais triste, tu vois ce que je veux dire. J'aurais plus mon frère, ma soeur, j'aurais plus mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tout. C'est chaud quand même, tu vois. Alors, tu préfères voler, donc voler comme actuellement la Deluxo qui vole, ou tu préfères nager sous l'eau, mais genre tu respires tout le temps, quoi. Respirer sous l'air, quoi, en fait, sous l'eau. Tu m'as compris, quoi. Savoir voler ou savoir respirer sous l'eau? Ouais. Bah, bien évidemment, voler, parce que même si je sais respirer sous l'eau, ça me servira jamais à rien, puisque tu veux que j'aille où? Non, mais tu veux aller où? Dans l'eau, on est pas. C'est le pouvoir d'Aquaman, quoi. Donc là, après, ouais, c'est. Ouais, voilà. Chose, quoi. Bah oui, mais sinon, tu veux aller où? Tu iras nulle part, hein, même si tu sais respirer sous l'eau. C'est vrai, c'est chaud. Mais après, moi, si j'ai un truc à dire par rapport à ça, donc moi, je pense que tout le monde aurait fait le choix, c'est voler. Mais en fait, j'ai fait de la plongée sous-marine pour la première fois de ma vie à Ibiza. Pour ceux qui se souviennent, Batman, je l'avais fait une vidéo dessus et tout. Et du coup, en fait, quand t'es sous l'eau, t'es pas dans ton monde. En fait, tu vois que t'es pas dans ton monde. Tu sais, je respire avec de l'oxygène. Déjà, j'étais stressé, abusé. Tu dois faire confiance à une bouteille d'oxygène. Parce que si la bouteille d'oxygène, il y a un bug ou il y a un truc bizarre, tu meurs déjà parce qu'on était sous l'eau, je sais pas comment le mettre. Donc c'est vrai, on va dire que il y a rien à faire sous l'eau, quoi. Et puis t'es pas chez toi, quoi. Tu préfères avoir une trompe sur le ventre ou un doigt sur le front? C'est vrai que c'est chaud quand même. C'était lequel le plus gênant? Non, mais imagine, là, attendez, regardez, là j'ai mon doigt, je prends mon doigt. Non, franchement, je prends le doigt parce que une trompe c'est beaucoup trop gros. Comment ça pourrait être? Genre comme ça? Genre là, t'as... C'est trop gros. Attends. Comme ça, là, genre. Ouah, c'est chaud quand même. Ouais. Mais une trompe, c'est trop gros. Moi, je peux pas choisir la trompe, c'est beaucoup trop sur gros. Sur le ventre, quoi, c'est chaud, quoi. Sur le ventre, c'est chaud. C'est la taille. Alors que le doigt, ça va. Tu peux trouver un moyen de. Voilà. C'est ça. Tu préfères vivre éternellement ou mourir à 30 ans? Parce que. Oula. C'est chaud quand même. Compliqué. Parce que vivre éternellement à un moment donné. Enfin, tu sais, t'imagines, tu vis, mais tu vois toutes les générations. C'est-à-dire, c'est à vie, quoi. T'es jamais mort. Parce qu'au bout d'un moment, tu pèterais les plombs. Oui. Bah oui. Bah oui, parce que même si t'as l'impression de vivre chaque génération et de vivre chaque événement, mais en réalité, je pense qu'il y a des moments où tu serais vraiment, vraiment saoulé de. Je sais pas, au bout de 500 ans, t'imagines, toi, la catastrophe. Je pense qu'au début, tout le monde choisirait vivre éternellement. Et je pense qu'au bout de quelques centaines d'années, beaucoup de gens pleureraient pour mourir, pour pouvoir mourir. Donc, la salle, on va finir sur le dernier face que je dis, moi. c'est quoi, la salle? C'est donc face-to-face. Tellement on l'a fait, il m'a perturbé, ce face-to-face. Donc, le dernier, tu préfères. Et vous me direz si vous voulez un épisode dans les commentaires et mettre un petit like si vous kiffez. Tu préfères vomir quand tu rigoles ou péter constamment quand t'es avec une femme? Waouh, franchement, vomir quand tu rigoles. Quand je suis content, je vomis. Ah ouais, c'est chaud, non, je peux pas, on rigole souvent. Faut bien même. Que tu... Là, on oui, mais quand tu vas faire ta vie, alors tu vois... Mais attends, explique-moi l'air là, qui va sortir de ton corps.
ou de ton cul, tu vas le sortir d'où à un moment donné. Je préfère me péter une fois. Je dis à la même fois que j'ai des problèmes de, j'ai problème, je pète quand je vois une femme. Mais c'est pas une fois, t'as dit constamment. Ah ouais, constamment. Ah ouais, si, constamment. Alors c'est vrai que si tu pètes une fois, ça va, mais constamment, c'est-à-dire que t'es là, tu parles à la meuf et tu pètes. Ah ouais, c'est chaud quand même. Mais vomir aussi, c'est chaud parce que si la meuf, elle te fait rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es en train de t'es avec ta meuf, tu rigoles, bam, tu vomis, c'est chaud, non? Ouais, mais. Tu préfères vomir ou péter? Moi, non, franchement, je préfère péter. Honnêtement, je préfère péter. Au moins, c'est des petits pétés. Mais c'est constamment. Mais... Non, mais c'est tout le temps. Imagine, c'est-à-dire que, genre, si là, t'es avec fort, ta femme. Si c'est pas des pets forts, ça va. Ouais, mais là, t'es avec ta femme et ça fait que. Non, mais là, par exemple, j'ai rigolé, je suis en train de vomir. Tu vois, c'est chaud aussi. T'imagines? Je sais même pas si elle accepterait de rester avec toi, la mais pauvre. Vomir, imagine vomir. Donc, dans ce cas-là, tu peux mais plus tu rigoler. Tu rigoles pas. Ah tu rigoles pas. Tu rigolerais pas. Tu rigoles quand il y a d'extrême urgence. Tu rigoles que. Voilà. Mais si t'as des potes qui te font rire, c'est chaud quand même. Du coup, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle était bien pour vous. Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé la tournée. Ça change un petit peu des vidéos GTA et tout. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, la salle, j'espère que t'as aimé aussi. Nickel. C'était nickel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu encore une fois. À vous abonner. À activer la cloche parce que c'est important la cloche. Comme ça, vous avez la notif quand je fais des lives. Aujourd'hui, on est samedi. Demain, il y a un live à 21h. Et voilà, je vous dis rendez-vous demain à 21h. Allez!